spectacle. La chambre et salle de jeu et le cirque, parce qu'il y a toutes les toiles que j'ai faites pour le festival du cirque de Monte Carlo pendant 7 ans, qui sont du festival du cirque, donc on a rempli entièrement le toile de haut. C'est un peu mieux rangé que la mienne quand même. On sait que le futur serait les écrans et les images télévisées. Les machines télévisées, elle est faite avec quatre couleurs, ou trois couleurs, disons, qui sont ce qu'on appelle la synthèse additive, c'est-à-dire en mélangeant toutes les couleurs, on arrive vers le blanc. Donc moi, j'ai toujours rêvé de faire une peinture qui tend vers le blanc plutôt que vers le noir. Parce que d'habitude, quand on fait de la peinture, on mélange les couleurs et puis on arrive vers le sombre. Moi, j'ai toujours rêvé que ça en arrive plus vers le clair. Donc, j'ai jamais mélangé les peintures pour aller vers le marron. Je travaille souvent sur des projets avec, comme à la région de Casarta, par exemple, j'ai fait toute une série de toiles en hommage au classique. En Corée aussi, j'ai fait toute une série de toiles en hommage au classique. Donc il y avait la photo de l'œuvre classique et à côté, l'interprétation. Du coup, j'ai fait pareil avec des artistes plutôt français, dans la maison de France. Un singe. Et même la tournée, c'est une des toiles du sol. Et dans la loge, il y a des robes qui sont souvent en direct, Nommé le chef de file de la nouvelle école de Nice, parce que vous emboîtiez le pas à la fameuse école de Nice, aux noms prestigieux comme Klein, Armand, César ou Ben, voisins de Mormart et Bottero. Votre œuvre est unique, tout autant que votre nom et votre image. Merci, Patrick Moya, d'avoir investi la Maison de France et de l'avoir transformé pour un temps en œuvre d'art à part entière.